J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu une journée avec moi, mais en totale transparence par rapport à ma situation actuelle. Alors, quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est super dramatique, mais j'avais juste envie de parler de, en gros, mon décrochage scolaire, même si je vais toujours à l'école et que je suis toujours, je suis toujours inscrite et je compte toujours passer mes examens, mais j'ai envie de parler de ça, du décrochage scolaire à cause de la pandémie, des impacts qu'ont eu la pandémie, sur moi, sur mon entourage. Et aujourd'hui, du coup, je vais t'emmener un peu dans ma journée classique. Ça va être une journée très 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 banale. Je vais aujourd'hui à l'école, donc j'ai un cours de sociaux à 10h. Donc ce matin, je vais aller dans un café ou dans la bibliothèque pour vraiment revoir quelques trucs, gérer des mails et tout. Et en fait, cet après-midi, enfin plutôt vers 5h, de 5h à 20h, j'ai un tournage pour Solidaris. Solidaris, c'est une mutuelle en Belgique. Et en gros, j'ai reçu ce mail il y a 2 jours en mode « Colin, est-ce que tu serais intéressée de faire un tournage pour Solidaris ?» En gros, on va parler du stress lié à la pandémie. Et donc du coup, j'étais en mode « Ok, trop bien, je suis super chaud de venir. » Et donc, ce soir, tournage, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait cool de faire cette petite vidéo et en même temps profiter de ce tournage pour déjà vous montrer les backstage, vous montrer comment ça s'est passé et aussi pour vous parler de mon cas à moi, parce qu'en fait j'en ai jamais parlé sur le réseau. Je pense que je l'ai abordé quelques fois sur Instagram et que je vous ai quelques fois dit sur Instagram que j'allais presque jamais en cours, mais voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Je vais partir, là il fait totalement nuit parce que je pense qu'il est 7h30. C'est horrible l'hiver, rien que pour ça. Le fait que tu te réveilles et qu'il fasse nuit jusqu'à 8h, c'est horrible. Voilà. Chez moi, je suis allée chez mon père parce qu'en gros ce matin j'ai été à la bibliothèque, c'était un miracle. Parce qu'il faut savoir, et j'en parlerai un peu plus après, mais je ne vais presque jamais à l'école, genre sincèrement, sur une semaine, et je m'en vante pas du tout, hein, je me rends compte que c'est hyper problématique, mais sur une semaine je pense que je vais à un cours, peut-être deux, alors que j'ai vraiment beaucoup de cours sur la semaine. Mais du coup ouais, j'avais envie de me poser un peu ici, je me suis pris un petit thé. Bon, je savais pas par où commencer ce périple de décrochage scolaire et de décrochage en général. Je pense que le mieux, c'est de revenir au confinement numéro 1 et à ce que j'ai plus ou moins vécu. Petit disclaimer, je n'ai rien vécu de grave et j'ai conscience que j'ai vraiment eu la chance d'être dans une maison à la campagne avec des proches, avec ma famille qui est totalement saine, et j'ai perdu personne pendant la crise du Covid, donc il n'y a vraiment rien de dramatique. Hier, j'ai partagé un petit message sur Insta pour avoir vos témoignages par rapport à comment est-ce que vous avez vécu la pandémie, qu'est-ce que ça a changé en vous, et j'ai eu plein de messages qui me racontaient un peu vos histoires, et ça ressemblait vraiment fort à ce que moi j'ai vécu. Mais il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui n'a jamais été stressé de sa vie, j'ai jamais été stressée, j'ai toujours été one life, carpe diem. Et puis il y a le premier confinement et au début j'étais en mode trop bien, on a full temps pour nous, c'est trop cool, surtout que j'étais dans une maison chez ma mère où il y a un grand jardin, du coup j'ai fait un potager et tout, enfin bref. Déjà ça c'est un grand luxe et j'en suis consciente, mais c'était super cool. Sauf que déjà petit à petit je n'ai plus suivi les cours. J'ai plus suivi les cours parce que t'es chez toi à 24, t'as plus du tout un rythme, t'as plus envie de te lever, t'as
comment dire, c'était bien plus facile de rester dans son lit et dormir jusqu'à 9h30, 10h plutôt que de se lever pour avoir ton cours d'économie générale, alors que vraiment j'en ai rien à faire de l'économie générale. Et donc petit à petit j'ai décroché mes cours, même si j'ai jamais été quelqu'un qui allait beaucoup en classe en général, genre j'ai toujours beaucoup séché dans ma vie, mais là c'était un point où j'allais vraiment à plus aucun cours. Et du coup bah, le moment où j'ai dû aller, j'ai dû passer mes examens en juin, c'était un peu le stress quoi, parce que j'avais tout accumulé et juste c'était un peu la dèche. En plus de ça, j'en avais déjà parlé un petit peu sur mon Instagram je pense, mais en fait le problème que j'ai eu, enfin le problème, c'est que comme j'ai dit, j'ai jamais été quelqu'un d'angoissé, mais j'étais tellement dans ma bulle et je ne suis littéralement pas sortie une seule fois de chez moi pendant 3 mois. On n'allait pas faire les courses, on faisait rien, il y avait juste ma mère qui faisait les trajets et qui sortait dans le monde extérieur, mais genre moi, mon frère et ma soeur, on ne sortait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc après 3 mois, je suis sortie parce que je devais aller chez mon père pour retrouver mon père et ma belle-mère. Et rien que d'aller chez mon père, qui est quelqu'un de ma famille, qui est proche de moi, je pouvais pas, j'étais ultra angoissée. Le soir quand je dormais chez lui, j'avais des crises d'angoisse, et dès que j'allais chez mon père et que je savais que je devais aller chez mon père, eh ben, j'assimilais vraiment la maison de mon père à de l'anxiété, alors que je n'avais jamais eu ça de ma vie. Je savais même pas ce que c'était de l'anxiété, et donc j'ai commencé à avoir ça, à avoir peur en fait de sortir, à avoir peur de faire des activités, à avoir peur de m'imaginer revoyager. Et du coup je pensais littéralement que j'étais folle, parce que j'avais jamais vécu ça et j'en parlais à personne, je savais pas. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je vais pas faire chier ma famille avec ça, tu vois. C'est, pour moi c'était pas assez grave que pour en parler à ma famille. Et du coup bah je l'ai dit à personne et je coulais petit à petit. Et donc du coup c'était encore plus difficile pour moi d'étudier, parce que dans ma tête il se passait trop de trucs. Dès que je n'étais plus anxieuse et que j'allais mieux, je pensais au fait que je n'étais plus anxieuse et que du coup c'était bizarre d'aller bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup c'est pour ça que l'été 2020 a été hyper chelou et difficile pour moi, parce que c'était trop bizarre pour moi de revenir au monde normal et de faire comme si de rien n'était, alors qu'en fait j'avais encore beaucoup d'angoisse en moi. Et le fait de reprendre une vie sociale, de partir en vacances, de voir des gens, d'aller à des repas, bêtement aller à des repas de famille, j'avais l'appétit coupé. Et à cause de cette angoisse et de cette anxiété, j'ai perdu genre, je sais pas, genre 5 kilos je pense, tellement j'avais plus d'appétit, que je mangeais plus. Et tout ça en fait je me suis rendu compte bien après, genre vraiment cette année où je me suis rendu compte de ce que j'avais eu, parce que j'ai consulté personne et que j'en ai parlé à personne, même ma mère, je lui ai dit genre hier que j'avais eu ça, et je pense que la moitié de ma famille n'est même pas au courant que je vivais ça à l'intérieur de moi, parce que j'en parlais pas. Mais tout ça pour dire que ma deuxième année d'unif a recommencé, enfin ouais, ma deuxième année de bachelier a commencé, et là donc j'ai été en cours au mois de septembre, et puis octobre fini, et toute l'année s'est fait en distanciel, et donc toute l'année bah à nouveau décrochage scolaire. Et j'ai totalement perdu l'habitude de... Attendez, je bois une gorgée. J'ai juste totalement perdu l'habitude de travailler, d'être concentrée, et je suis devenue addict au réseau, un peu comme tout le monde. Mais le fait que t'es chez toi, que t'as ton téléphone à côté de toi, ça me rend hyper... comment dire, j'arrive plus à prêter attention à une seule chose. J'ai tout le temps envie d'aller sur mon téléphone, je perds tout le temps le fil de mon cours, de la conversation. Et bêtement aujourd'hui j'ai été seulement à un cours de sociaux, qui est le seul cours où je vais de la semaine, parce que c'est le seul cours qui m'intéresse. Non, il y a d'autres cours qui m'intéressent, mais c'est le seul cours pour lequel je me déplace. Et même celui-là, après 2 heures, ben, je perdais le fil, tellement j'ai plus l'habitude de juste me concentrer sur quelqu'un et ne pas regarder Insta, Facebook, machin, les messages et tout. Et je me dis c'est hyper problématique. Donc là je suis en 3e année. Et j'étais partie avec la bonne résolution de recommencer les cours et de suivre les cours, etc. Sauf que, ben en fait, j'arrive pas à avoir de la motivation, j'arrive pas à me projeter dans mes études, vu qu'il y a vraiment eu ce trou entre la première que j'ai vécue 4 mois, et puis je suis passée directement à la 3e, en connaissant pas beaucoup les gens de ma classe, en connaissant pas beaucoup les profs, et du coup j'ai l'impression d'avoir rien appris quoi, j'ai l'impression d'être vide au niveau des connaissances que j'aurais pu apprendre avec ma formation. Et donc ça me motive tellement pas à donner ce que je pourrais cette année, parce que je me dis c'est trop tard, là il y a 2 ans qui sont passés dans le vide, donc à quoi bon essayer de se remettre dans le bain si t'as déjà perdu les 2 ans. J'ai rien suivi, j'ai vraiment rien suivi pendant les 2 derniers mois, et là j'ai mes examens en janvier.
Donc là, je sais que le mois qui va arriver, ça va être hardcore parce que je dois me remettre à niveau pour tous les cours et je sais que je vais y arriver. J'ai réussi mes autres sessions, j'ai jamais eu d'examen de seconde thèse parce que j'ai la chance d'être dans une formation qui est pas trop compliquée, alléluia. Mais je sais même pas comment les gens ils font à l'université, genre moi si j'étais à l'université, je serais dead. Et donc du coup, on va vraiment parler de ça ce soir avec Solidaris, et j'ai hâte de pouvoir débattre. Il y aura du coup une psychologue qui sera là, il y aura un étudiant qui sera là, et donc on va pouvoir parler de ça, et je vous mettrai un peu des petits extraits après et le lien vers la table de conversation par rapport à la déscolarisation. Mais dites-moi déjà dans les commentaires si vous aussi vous avez vécu ça, est-ce que ça vous a amené de l'angoisse, est-ce que ça vous a amené de l'anxiété scolaire, de l'anxiété sociale. Et on se retrouve ce soir pour le tournage, ça va être trop chouette. C'est parti, je vais travailler. Bon, je viens d'arriver à l'UNAMUR, on va commencer le tournage bientôt. Ça va vraiment être cool, on va apprendre plein de choses, on va débattre. C'est parti. La santé mentale, c'est... En fait, c'est la vie, je pense. Oui, j'allais dire, c'est productif dans tous les sens du terme. Oui. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a moins de consommation de psy, etc., dans des milieux socio-économiques très fragiles, parce qu'il y a moins d'écoute de soi? De toute façon, ils n'ont pas le choix, déjà. Puisque la consommation des soins de santé mentale ne sont pas accessibles, pour plein de raisons. C'est ça qui est effrayant, je trouve, de voir l'impact que le Covid a eu sur l'humain et sur nous, la manière dont on se ressent, enfin dont on ressent, et de se dire qu'en fait ça c'est juste un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans le futur en fait, avec les réchauffements climatiques. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'éco-anxiété et qui sont stressés du futur et qui n'arrivent plus à se projeter, parce que tu as cette angoisse de la pandémie qui n'est même pas encore finie, et puis tu as l'angoisse supplémentaire de la crise climatique qui n'est pas réglé. C'est bien qu'on nous donne les clés pour les portes de demain, mais alors il faut aussi adapter la serrure. Si on n'a pas la serrure pour mettre la clé dedans, ça devient un petit peu compliqué. On va aller boire des coups, non ?